والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب الصراط المستقيم جسكي ديني جسكي أن ديني دي قفل ما يجب للأنبياء وما يستحيل على الأنبياء، يعني هذا فصل معقول لبيان الصفات التي يجب أن نصف الأنبياء بها وننزه أو الأنبياء عنها. Alors c'est un chapitre au sujet qu'est-ce qui est digne des prophètes et qu'est-ce qui est indigne. Alors parmi les attributs des prophètes, la sincérité, l'intelligence, la perspicacité et la véracité sont les vertus essentielles des prophètes. إذن الأنبياء يجبهم الصدق والأمانة والعفة. Alors tous les prophètes sont véridiques, tous les prophètes sont honnêtes, tous les prophètes sont sincères, tous les prophètes sont intelligents. لا يجوز على الأنبياء الخيانة، لا يجوز على الأنبياء الكذب، لا يجوز على الأنبياء الرذالة، لا يجوز على الأنبياء السفاهة. إنما هم مخلصون، صادقون، أذكياء، فطناء، عفيفون، لهم العفة، لا يهمون بالزنا، لا يقعون في الزنا ولا يهمون في الزنا. Alors les prophètes sont vertueux, ils ne cherchent pas à faire la fornication, ils ne font pas la fornication. لنعلم أن نبي الله يوسف لا هم بالزنا ولا حل سرواله كما مذكور في بعض الكتب التي تتكلم في الأنبياء أو في التفسير. Alors Youssef alayhi salam n'a pas cherché à faire la fornication, il n'a pas enlevé les habits pour faire, comme ça a été dit dans certains livres. بعض الكتب يقولون يوسف حل سرواله قعد فوقها كما يقعد الرجل من امرأته. Alors ils ont dans certains livres ils disent que Youssef a enlevé baissé son pantalon, il était au-dessus d'elle. والعياذ بالله تعالى من نسب إلى الأنبياء الهم بالزنا يكفر. Celui qui attribue au prophète le fait de chercher la fornication, seulement le fait de chercher la fornication, il mécroit. الذي يقول هم بالزنا سعى إلى فعل ذلك كفر بالله. هذا تنقيص في حق الأنبياء. كذلك الذي يقول إن نبي الله لوط زنى بابنتيه. Celui qui dit que Lot a fait l'inceste avec ses deux filles. Alors, في بعض الكتب يقولوا أن البنت الصغرى وضعت الخمر لأبيها فشربت ثم وقع عليها. والعياذ بالله تعالى dans certains livres ils disent, ou dans les gens de livres, hein, les gens de livres, ils disent que la petite fille de Lot, de Job, lui a mis de l'alcool et il a bu, après il a eu des relations avec elle et elle est tombée enceinte. Alors il a dit à sa grande sœur de faire la même chose parce que les deux filles ils ont dit il n'y a pas d'homme, si on reste comme ça il n'y aura pas d'enfant. Mais comment peut-on attribuer au prophète qu'il boit l'alcool et qu'il fait l'inceste avec les deux filles? Il y a des gens qui osent dire comme ça pour faciliter aux autres les péchés. Finas, يتجرؤون على أن ينسبوا إلى الأنبياء مثل هذا الكفر مثل هذه الأفعال الشنيعة ليهونوا على الناس فعل الكبائر ليهونوا على الناس. يقول إذا كان النبي فعل هذا أنت من؟ Il leur dit si le prophète a fait telle chose et toi, tu vois, il facilite pour les gens le fait de tomber dans la fornication, dans l'inceste, dans la perversité, ainsi de suite. الأنبياء قال الفقهاء يجب لهم العصمة من الكفر قبل النبوة وبعد النبوة. Les prophètes sont immunisés contre la mécréance avant d'être prophètes et après. بمعنى أن الأنبياء لما يكبرون ينشأون على العقيدة الحق. Les prophètes lorsqu'ils grandissent, ils grandissent en ayant la bonne croyance. Il n'y a pas un prophète qui grandit en adorant les idoles ou les astres ou les créatures. ما في نبي ينشأ وهو يعبد الأصنام أو يعبد الكواكب أو يعبد الشمس أو الشجر أو الحجر. الأنبياء من صغرهم ينشأون على العقيدة الصحيحة فهم محفوظون من الكفر قبل النبوة وبعدها. من قال في هذا؟ كي أكونتخديد من سيد كيسيون الوهابيين وابن تيمية. ابن تيمية يقول أن شعيب كان على الكفر. الوهابيين يقولون إبراهيم كان على الكفر. Alors pour vous, votre information, qui contredit dans cette question? J'ai dit Ibn Taymiyyah et Wahhabiyyin. Ils disent que Shu'ayb était mécréant avant d'être
prophète et d'être musulman. Ils disent Ibrahim alayhi salam, il ne connaissait pas Dieu, il doutait est-ce que c'est le soleil, est-ce que c'est la lune, tout ça. Il disait qu'il était mécréant et après, il est devenu musulman. Ibn Taymiyyah, avant eux, ils disent oui, le prophète, ils peuvent être dans la méfiance avant l'imam al-Ash'ari, les grands imams de cette communauté, ils ont dit que les prophètes sont immunisés contre la méfiance avant d'être prophète et après, ils sont immunisés contre les grands péchés avant d'être prophète et après, et contre les petits péchés qui reflètent une bassesse de caractère avant d'être prophète et après. Et dans l'Anbiya ma'soumoun min al-kufr qabla an-nubuwwa wa 'ada an-nubuwwa min al-kaba'ir qabla an-nubuwwa wa 'ada an-nubuwwa min as-sagha'ir allati fiha dana'a wa khissa. Dana'a wa khissa mithl an-nazar bi shahwa ila an-nisa', un péché qui reflète une bassesse, comme le fait de regarder une femme avec désir. Ça, c'est un péché de bassesse. Les prophètes ne font pas ça, ne tombent pas dans cela avant d'être prophète ou après. Est-ce que c'est possible que les prophètes tombent dans un petit péché qui ne reflète pas une bassesse? Beaucoup parmi les savants ont dit que oui, que parce qu'il y a dans le Coran Adam a désobéi à Dieu, et encore l'histoire de Daoud qui a commis un péché. Mais on ne dit pas que Daoud, on ne dit pas comme certains disent que Daoud a cherché à tuer le commandant de son armée pour prendre son épouse. C'est lui qui dit ça, et c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave de dire cela. Et ça, أن داود رأى امرأة تغتسل عارية فأعجبه حسنها فسدلت لما رأته سدلت شعرها سأل من هي قالت هي قالوا هذه زوجة قائد الجيش أوريا فصار يسير إلى المعارك ليموت ليأخذ امرأته هذا لا يجوز أن ينسب إلى نبي من الأنبياء il dit que داود un jour il a vu un oiseau très joli devant lui, après il vole un peu et Daoud le suit, jusqu'il s'est mis devant une fenêtre et là il voit une belle femme en train de se doucher et qu'ils disent à Daoud était pris par sa beauté et que lui il avait beaucoup de femmes, 99 et lorsqu'il a fixé le regard ils disent, et la femme lorsqu'elle a fait attention, elle a laissé les cheveux tomber sur son corps et l'a couvert. Et ils disent que Daoud est attaché à cette femme. Qui est cette femme? Alors on dit c'est la femme d'un tel commandant, Ouria. Alors il a dit il faut qu'il aille combattre devant le Tabout. C'est là où il y avait certaines affaires de Moussa alayhi salam. Et que celui qui combat devant, il ne faut pas qu'il recule. C'est la victoire ou la mort. Et qu'à plusieurs reprises, après il est mort. Et ils disent que Daoud a pris son épouse. Mais c'est quoi ça? Si tu attribues ça à un être humain normal, les gens ils disent A'udhu Billah, c'est un homme méchant, mauvais. Comment on attribue ça à un prophète? Mais dans certains livres, ils le disent. Fi ba'd al-kutub yaqulun na'am, hadha alladhi fa'alahu Daoud alayhi salam. Wa ba'd al-kitab, ana shuft fi ba'd al-kutub yaqulun lak Daoud marhala kana kadha fi marhala lak marhala al-mujrim. Ils disent pour Daoud. Tu vois, ils disent voilà, lorsqu'il était enfant, voilà, il a tué Jol Goliath. Après, ils te disent, dans une période, Daoud est discriminé. Mais comment ça se fait? Allah Ta'ala ne donne pas la prophétie à un criminel. Allah Ta'ala la yu'ti an-nubuwwa li mujrim. Falhasil li tanabbah an al-anbiya yajib lahum al-husma min al-kufr wal-kaba'ir wa saghar al-qissa qabla an-nubuwwa wa ba'daha. Les prophètes sont immunisés contre la mécréance, les grands péchés, les petits péchés qui reflètent une bassesse de caractère avant d'être prophète et après. Maintenant, les petits péchés qui ne reflètent pas une bassesse, est-ce que les prophètes sont immunisés contre ça? Beaucoup parmi les savants, ils ont dit non, ça peut arriver. Ça peut arriver de certains prophètes, mais il se répand immédiatement avant que les gens le suivent.
Il y a d'autres savants qui ont dit qu'ils sont immunisés contre tous les péchés. Même les petits péchés qui ne reflètent pas une bassesse sont immunisés contre ça. Et ils ont interprété les textes. Ils ont interprété le texte au sujet de Adam, au sujet de Daoud, au sujet d'autres prophètes encore, dans ce qui a été rapporté dans le Coran et la Sunna, ils ont interprété. Et là, on dit, mais le fait d'interpréter, est-ce qu'il y a une preuve, argument rationnel, catégorique qui nécessite l'interprétation ou d'autres textes ? Al-Hava, Al-Nom, Awal, Wa'asa Adam, Rabba, Fawa, Kivlak, Awal, Kivlak, Awal, Wa'asa Adam, Rabba, Fawa. أو قال تعالى فنسي ولم يجد له عزم بعضهم يقول نسي بمعنى إيش أنه فعل هذا ناسيا لا نسي بمعنى ترك الأمر نسي تأتي بمعنى لأنه هناك أثبت له المعصية dans une آية a été confirmé le péché dans une autre آية نسي ولم نجد له عزم c'est-à-dire ولم نجد له عزم ça veut dire que il a délaissé l'ordre et il a mangé de l'arbre sinon quelqu'un qui l'a mangé par oubli complètement. Alors, et après on va dire qu'il a désobéi, s'il a fait par oubli complètement. Et s'il a fait par oubli complètement, on va le reprocher et on va le faire sortir du paradis. Bref, certains savants, ils ont interprété parmi Ahl-Sunnah, ils ont dit non, les prophètes sont immunisés contre les grands, les petits, tous les péchés. Et ils ont essayé de donner une interprétation à certains ayats. Mais l'imam al-Ash'ari et les autres savants, ils ont dit non, pourquoi interpréter les petits péchés qui ne reflètent pas une bassesse de caractère, ça peut arriver, et ils se répandent immédiatement avant que les gens le suivent. C'est des humains, ils peuvent tomber dans ces petits péchés, mais ils se répandent immédiatement. Alors ils sont immunisés contre la vilainie, la perversité. Ils n'utilisent pas des paroles vulgaires à bas niveau. Voilà, maintenant, ils sont pas félins. Maintenant, ils ont des bons comportements, ils sont honnêtes, ils sont véridiques, ils sont intelligents. Même les lapsus de langue ne leur arrivent pas, les lapsus de langue, parce que l'absus de langue, c'est un péché, c'est un mensonge involontaire. C'est un mensonge involontaire. Alors, on n'arrive pas au prophète de faire des lapsus. Moi ou vous, on peut faire des lapsus, mais pas les prophètes. Nous, nous, yumkin, wahid minna, an yasbiq lisanuhu. Amma l'anbiya, la yasbiq lisanuhu. Léannahu, law tusawwira dhalika, la kana liqala an yaqul la'alla hadha sawq lisan. Si c'était possible que leur arrive un lapsus du langue, alors quelqu'un va dire oui, qui me dit que c'est pas un lapsus? On dit le prophète a dit, il dit oui, peut-être un lapsus. Alors il faut pas mettre en doute les paroles du prophète. Et Allah les préserve lorsque les prophètes parlent. Allah Ta'ala les préserve de tomber dans des lapsus. Ils sont immunisés contre les maladies qui font fuir. الأمراض المنفرة كأن بعض الأحيان يخرج من الجلد الدود أو أحيانا تخرج رائحة منتنة هذا الله يحفظ الأنبياء منه. Les maladies qui font fuir, par exemple, que les vers sortent de la peau ou qu'il y aura une mauvaise odeur qui se dégage du corps, Allah Ta'ala préserve les prophètes. C'est vrai, les prophètes ils peuvent tomber dans des maladies comme les autres, même plus, mais pas des maladies qui font fuir. ليست أمراضا منفرة يمكن أن يحصل منهم أمراض وبلاء وكذا ولكن ليست أمراض منفرة. Et non croyants quiconque leur attribue le mensonge, la trahison, la vulgarité, la bassesse, la lâcheté ou quelque chose de ce genre. Celui qui الذي يصف الأنبياء بالكذب أو الخيانة أو الرذالة أو السفاهة يكفر أو الذي يقول أيضا أنه Annahum Jubana, celui qui dit les prophètes sont peureux, sont lâches, ils mécroient. Amal Khawf al-Tabi'i, absolument. La peur normale, comme un être humain, oui, puisqu'il y a une bête féroce, ou s'il y a un grand nombre de gens qui viennent vers toi et toi tu es seul. Ça, c'est une peur qui est normale, ça peut arriver au prophète, mais pas la lâcheté.
pas la lâcheté. Laïsa al-jubn. Al-jubn, fi naqs, wahid li wahid, une personne contre une personne. Les prophètes sont courageux, ils ne sont pas lâches. Où tu vois l'armée des musulmans avec le prophète, il y a 1000 personnes. Et de l'autre côté, il y a 1000 personnes, ou 1200, 1500. Les prophètes ne sont pas lâches, ils sont courageux. Alors, c'est lui qui attribue, il dit non, ils sont lâches, ils m'écroient. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, il n'a pas fait des mensonges réels. Il a fait la parole sous-entendue, une parole qui peut avoir deux significations. L'apparence est un sens interne et Sayyidina Ibrahim a voulu le sens interne. Yani, al-kalam alladhi yahtamil ma'na fadh-dhahir wa ma'na batin. Sayyidina Ibrahim arad al-ma'na al-batin. Par exemple, le roi de l'Égypte, il a dit qui est-ce? Il a dit c'est ma soeur. Et c'est vrai, c'est ma soeur dans l'islam parce que son épouse, Sarah, elle est musulmane. Alors il est la soeur dans l'islam. Et il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Lorsqu'il a dit je suis malade, c'est-à-dire je vais tomber malade. Parce que lorsqu'il voyait sa communauté en train d'adorer les idoles et les arbres, il tombe malade. Il lui arrive la fièvre, la grippe, la fièvre. Parce qu'il voit que des gens en train d'adorer des créatures. Et lorsqu'il a dit, parce qu'ils lui ont dit de venir avec eux, il a dit non, je suis malade, c'est-à-dire je vais tomber malade. Lorsque je vous vois comme ça, je tombe malade. Alors il n'a pas menti, c'est vrai. C'est vrai, il sait que lorsqu'il les voit en train de faire ça, ça lui arrive la fièvre et il tombe malade parce que vraiment il aime Dieu et il n'aime pas voir la mécréance. وقال بل فعله كبير ماذا فسألوه من كانوا ينطقون lorsqu'il a cassé les petites idoles et il a humilié le grand, il a mis le hache dans le grand et il a cassé les autres. Ils ont dit qui a fait ça? Il a dit le grand s'il parle. Alors deux interprétations, c'est-à-dire le grand m'a poussé à faire, c'est le grand parce que vous avez donné plus d'importance à celui-là, plus vous avez donné plus de soins ou glorification, et il est comme un idole, tu vois, et il a fait pousser à casser. Et d'autres savants ont dit, il a dit c'est le grand s'il parle, et eux ils ne parlent pas. Il a lié ça à ça, c'est le grand s'il parle, mais eux ils ne parlent pas. Mais on dit que Ibrahim n'a pas fait de mensonge réel. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et tous sont intelligents, il n'y a pas un prophète qui n'est pas intelligent, il n'y a pas un prophète qui leur manque de raisonnement, d'intelligence, tu vois. Alors c'est pour cela qu'il y a certaines choses que certains disent, par exemple au Liban, quelqu'un qui s'appelle Ibrahim, ils disent « Ah, il a un problème ». Pour eux, s'il s'appelle Ibrahim, il doit avoir un peu de folie. C'est comme ils disent, le nom Ibrahim, il a une mauvaise augure. Et c'est le nom d'un grand prophète. Alors c'est le fait de dire ça, c'est grave. Parce que c'est comme un insulte à Ibrahim alayhi salam. Ou certains, par exemple, disent, toute personne longue, il doit avoir de l'idiotie. La colotawin et l'être de l'alab. Pour toute personne qui est longue, elle doit avoir de la folie, de l'idiotie. Encore s'il sait qu'il y a des prophètes, des prophètes longs, comme Sayyidina Adam, Moussa, alayhi salam, beaucoup des prophètes sont de longue de taille. Il n'y a pas un prophète qui est de courte de taille. Moyen de taille comme Sayyidina Muhammad, oui. Mais il y a beaucoup qui sont de grande taille. Alors c'est lui qui dit ça, il m'écroit. Tu vois, il sait qu'il y a des prophètes qui ont de grande taille. Alors de là, il faut faire attention, qu'est-ce qu'on va dire. Et Sayyidina Ayyub, il est tombé malade, oui, mais pendant 18 ans, mais les vers ne vont pas sortir de sa peau. On ne dit pas que les vers ont sorti de sa peau. On ne dit pas que son épouse l'a jeté dans la poubelle. C'est pas vrai ça, c'est pas juste. Il était éprouvé, il était très malade, mais il n'est pas arrivé à ce stade-là. Il n'est pas devenu dans un état répugnant que les gens fuient. لم يصل سيدنا أيوب في البلاء إلى أن صار مستقصرا تهرب منه الناس لأن أي شيء يعوق عن الدعوة الله يحفظ الأنبياء من ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم.